pas de jamais de nouvelles, peuple haïtien. C'est qu'on y a de nouvelles. Prends un t-shirt, banon. Restez là. Après 25 années, 25 années, on va prendre un peu, on va souquer corps, on va détruire un peuple. On va finir avec un jeunesse. Finir avec un pays. Détruire un pays. Pour capable enrichir un petit groupe criminel voyou qui c'est des Syriens, Libanais, Palestiniens. On va prendre un peu pour capable protéger Podou parce que ou pas propre. Obligé de faire ça. Les Américains m'ont dit, obligé de faire ça, blanc m'ont dit, parce qu'on pas clean, parce qu'on pas propre. Après 25 ans de ça, ils ont senti que, ils ont vu un petit problème. Mais ils prennent, ils voient dans le coin. Tant que c'est mesdames qui sont grand rue, qui ont passé préservatif. Mesdames et messieurs, je ne vais pas nous mentir, situation complètement dégénérée. Sénateur Joseph Lambert, crier ta conti bébé, nous pourrons jamais t'en de nouvelles. Et je dis à nous pour le saisir, et je dis à nous pour le retourner, parce que moi, personnellement, je mouris. C'est gros cause, monsieur. L'on pas sérieux, l'on pas clean, l'on pas honnête. Mais évidemment, c'est ça qui pour arriver. Nous prenons un pays, nous détruisons un pays. Pendant 36 années, activement sous politique là. Nous finissons avec un peuple. Nous finissons avec espoir jeunesse là. C'est nous toujours, nous toujours aller, nous toujours tourner. Nous là, nous pas jamais faire back. Nous, nous pas capable de résultat. Ou qu'on nous pas propre, faire retrait. Mon campé là. Ou campé là, on détruit le pays. Nous campé là, non. Nous enrichir la famille Vobnet ou qu'on est. Nous faire milliardaire. Nous enrichir la famille Boulos. Nous faire multimilliardaire. Nous enrichir Bossan. Nous enrichir Bidjo. Nous enrichir la meuse, la convention de Dragon. Nous finissons avec une jeunesse. Nous finissons 12 millions d'habitants pour nous enrichir un petit groupe syro-libanais qui prend en otage. Tout ça nous fait, c'est pour eux. Tout ça l'État produit comme l'argent, c'est pour eux. En 2021, finalement, le président décide pour le peuple qui reste là. Nous tous nous mettons tête nous ensemble. Nous foutons manger. Mais je dis en 2022, ton écrasé, ça ne te fait pas. N'a fout payo, ben pas sérieux, ben criminel, ben assassin, ben voyou. M'a dit bravo avec les Américains. Bravo avec le Canada. Le criminel n'est pas honnête. Finalement, ou vin senti que peuple décide pour fâcher contre nous. Nous décide pour nous faire un bourrade. Après 25 ans, nous fait, n'a use, ben tire avec ça yo. M'a dit bravo. Même si le tard, même dit bravo. Parce que je dis, nous avons nécessité pour que nous prenions responsabilité. Nous. Même Jean-Coffrey l'a dit hier, Américains sentent que la situation vient l'aide pour eux. Parce que imaginez, le guide des Haïtiens, la manifestation a fait, où un groupe haïtien a débarqué devant l'ambassade américaine avec drapeau la Russie sous doyo, ça veut dire un paquet de bagages, oui, pour les Américains. Ça veut dire que le peuple a dit qu'il a cherché la paix. Le peuple a dit qu'il a cherché la stabilité. Les deux même les Américains ou pas prêts pour assumer sous habitants comme pays qui n'a pas coopéré. Le peuple a parlé de la Chine devant l'ambassade américaine dans le pays d'Haïti. Ça veut dire un paquet de bagailles. Jodia, Américains décident pour prendre responsabilité. Peuple a cherché la paix. Peuple a dit que ça n'a pas besoin de politiciens traditionnels encore. Coopération n'a pas marché. Prends responsabilité nous dans toute intégralité nous. Si c'est politicien qui a un bon problème. Qui faut pas qu'à dire, mais nous, ouais, que y'a pas de faire pour payer. Mettez-vous de côté pour une nouvelle classe politique émergée. Suspend, parlez avec Kravet Sayo. Mettez-vous hors du sujet. Parce que moun sa ou pas moun, y'a pas clean. Et mais je dis, on peut pas ici. Aïe, aïe, aïe. Nous avons une grosse cause que nous parler ensemble avant là. Parce que nous avons un problème, nous avons paniqué. Situation complètement dégénérée. Et effectivement, nous-mêmes dans Infobeto, nous disons, nous protégeons qui choisit pour vous. Et de fait, nous protégeons qui choisit pour vous. Aïe, aïe, aïe. Nous n'avons aucun problème. Nous avons paniqué. Mais effectivement, ça pour parler, la parler. Assad Volsi, justement, pété crié hier soir. Nous avons des amis qui nous parlent. Monsieur dit, nous, Infobeto, l'autre de Assad Volsi, tu fais une interview dans ce groupe FM, non? Ça beaucoup rien. Il dit, nous, monsieur crié parce qu'il sentit que yo humilié. Yo humilié en pile. Yo fait passer des heures, crampé sous des pieds.
Aptan. Oui, yo dit que a vinn parler avec elle. Il a posé des questions. Li camp pour côté passer des heures. Et puis dans demain si Dieu veut, yo prend mettez là-bas, yo avion. Yo dit rentrer dans pays ou pas éligible pour aller ce qu'il est dans pays. Ça qui c'est les États-Unis d'Amérique. Et même pas ba nous mentir. À ça tu vas cap vinn dire que c'est que les metal bagay vinn ba mentir. Yo faut parler parce que yo besoin information sur le bande criminel ou yo, sur le groupe nèg qu'on a vendre zam yo parce que barbecue ta ville ou. Le barbecue a ville ou comme nèg qui t'a vendre zam. Et bien effectivement les Américains besoin pour questionner pour confirmer effectivement si c'est vérité. Il faut parler. Ou bien, si vous rentrez dans le pays tonton Sam, non, ou abdi ki joy, parce qu'il y a prêt à collaborer, il y a du monde qui va te parler, tel bagay, parce qu'il y a un problème, les Américains, justement, comprenons. Mais en fait, on va te parler. On va parler, après ça, on prend, on pimpou dans le pays, comme petit volé, comme petit vagabond, petit chessal, à sa vol si, petit vagabond. Nous détruisons le pays, nous finissons avec mon jeunesse. Et puis nous l'avons bêtisé, dans le monde toujours, bon petit vagabond. Jodian, la République, nation, après note, de classe politique ça. Jodia, classe politique traditionnelle, politique traditionnelle, yo pas éligible pour prendre la parole dans nos nations ça encore. Et c'est fini. Faut que nous classons ça. C'est fini. Je dis exactement 5 novembre 2022. Ça fait chef gang numéro 1 pays d'Haïti. 16 mois depuis qu'il quitte le pays d'Haïti. Ça fait chef gang numéro 1 pays d'Haïti, criminel là, assassin, Cyril Libanais. Ça fait 16 mois depuis qu'il quitte le pays d'Haïti. Non, c'est Reginald Boulos. Reginald Boulos, petit garçon, faut parler, oui. Parce que je ne peux pas parler là. Reginald Boulos a plaidé. La plaidé sous question qui est opposée sur l'assassinat de Jovenel Moïse. Boulos plaidé. 16 mois. Boulos gen de yo. Ça que t'as dit ça, monsieur. Jovenel Moïse, petit garçon, epé ou nan men ou. Kale dado ou fè chèlbe ou. Sénateur Joseph Lambert, crié. Sénateur Youri Lato, tu plein en pile. Mais monsieur, nous dit même parole, bon, je chale de dia. Oh oui, nous val pote plainte. Nous valent, comment elle gouvernement fédéral là, devant tribunal. M'a ptan ça. Et moun la tibonit a ptan ni. Et monsieur, te moun la tibonit. Prends la oui. Mandant. Youri Lato, il me souhaite prendre la rue pour dire sénateur, elle peut te plaider. Sinon, et pour foutre code dans le cou, marie 10 blocs dans le dos, faut marcher piate dans toute rue dans Gonaïve, comme criminel, comme drogue dealer, comme assassin, qui sale image Gonaïve. Moun Sudès, le 22 nous, on les prend la rue. Mande sénateur Lambert, Jacques Odilan, al rele, gouvernement fédéral, nan la côte. Pour que yon bon explication, yon vient avec des preuves. Si ou pas fait, et pour peuple apprend, foutre 25 blocs dans le dos, faut pencher pied à terre dans toute rue dans Jacques Mel. Comme petit volet, comme petit vagabond. Mais nous attendons ça toujours. Comme nous parlons de vos actions, nous attendons ni. Moun Sud-Est, faut que nous battons contre ça. Parce que nous avons sale image nous, yon fin avec pays. Si nous restons pour croiser les Haïtiens, c'est que nous ne pouvons jamais rien devant les yeux internationaux, devant la communauté internationale. Ce n'est pas possible. Comment ça pour nous finir nos pays? Comment ça là même? La qui est grave là. Assad, tenez bien. Assad vol si. Non seulement on fait le palais. Mais vous avez pour qu'on connaît, oui. Gon nom dans le pays là, c'est Marie Marie, monsieur, oui. Parce que c'est tout est top moun. Tout est crasse, c'est Marie Marie Nenel Kassi, oui. Ancien sénateur Nenel Kassi, sénateur Nick Miragwan, oui. C'est Marie Marie, monsieur, comme petit voleur. Ou pas, je dis, la fait jouer, rentrer, sortir, li pa vle faire avant trop. La PC fait tirer kill. Même Abdi Nenel Kassi, ou ap point code. Et ça fait que, Abdi commissaire Jean-Ernest Muscadet. Commissaire Nip Miragwan, garçon voyant, n'est-ce pas pareil, moi? Garçon, garçon, aïe, aïe, aïe. Commissaire Muscadet, assumez responsabilité. Même Jean Wé, petit soldat Isoyo, on a pris route Miragwan pour aller chercher Fizio, l'année dernière, si vous voyez, ou qu'on prend avant, ou Fizio. Même je te prends Zo Poisson, que l'année dernière, c'était ma mission pour aller Fizio. Je dis, m'a dit, commissaire Muscadet, l'année dernière, c'est lui-même qui est criminel là. C'est lui-même qui est kidnappé. C'est lui-même qui assassin, c'est lui-même qui volera. Ou Dieu pas voulu voler, ou Dieu pas voulu kidnapper, ou Dieu pas voulu assassin. Je dis ya, ou qui doit de vie ou de mort sous Nenel Kassi, même gens qui doit de vie ou de mort sous chaque criminel
que vous voyez dans le département du plan pour venir chercher pour physio là. Je dis à commissaire Miscardin, bam ça sous des chaises. Bam ça sous des chaises. Papa ici, 5 novembre 2022. Chanel obtenu nous là. Lire les chaînes YouTube Info Beto. Chanel Green dans Bouda, Chanel qui va pêcher là. Chanel Cap dit Janier. Beto pas pêcher. Info Beto à l'appareil. Zami nous, famille nous, capitaine de nous, dans quatre coins modelant. M'a dit nous bonjour. Bonsoir tout le monde. Dépendamment de qui côté qui l'heure, vous attendez nous, vous regardez nous. Encore une fois, chacun nous connaît, c'est toujours un plaisir pour moi pour que nous ensemble avec nous. Et ça, vous me faites du bien. À chaque fois que je connais, je viens partager mon moment ensemble avec nous et que je connais, nous réagir exactement à travers les commentaires. Alors, c'est là que nous allons dire tout ça que nous pensons, mais oui, tout ça que nous comprenons. De ça qui dit dans l'académie de Panouan, qui passe sous plateforme Panouan, qui est la plateforme YouTube, Info Bertoua. Parce que il est clair que n'attendez, nous comprenons, nous remettons travail là, pressez abonner avec Chanel ça qui c'est Chanel YouTube Info Beto. Abonner là pressé, pas perdre du temps, abonner avec plateforme là. OK? Sous l'on fin abonné, on nous like li. On nous like émission hein, pour nous montrer niveau appréciation, niveau l'amour que nous gagnons pour Chanel ça qui c'est Chanel Maman Peba et Chanel YouTube Kanson Atay là qui c'est Chanel YouTube Info Beto. Partagez, commentez, like, abonnez, sous pourquoi abonnez. Assumez responsabilité ou. Et prenez plaisir sur la plateforme, partagez émission, like émission. Mais entre temps, avant que nous rentrions dans Maman Causea, pardon, avant que nous rentrions dans Maman Causea, Maman Petite Marie-Vanne, pour les gens qui sont aux États-Unis qui ont pleuré, qui a un petit problème parce que nous fatigués. Monsieur me dit nous ça clairement. Nous pas yon robot, nous ka fatigués comme garçon. Si nous madame n'a plein parce que nous avons un problème carbone, endurance, bonbon, bagay sa yon bon créole. Rele Moringa Haiti, mais produit a oui. Meni, m pote l pour nous. Équipe Moringa Haiti a résolu problème ça. On ouvre le nom. Geban Ultra. Geban Ultra, c'est un tout nouveau produit qui sort dans le laboratoire. Li la pour combattre ça ou les dysfonctionnements érectiles, ça veut dire pas camper tout. Li gen 15 capsules là-dedans. Li fait pour prendre yon capsule 30 minutes avant al fè bagay. Yon rele ça, yon dynamogène action rapide. Pas oublier que li remplace 3 produits Geban yo parce qu'il est puissant. Voilà, pas oublier, li remplace 3 produits Geban yo. Ça c'est ça rele Geban Ultra. Pour tout le monde qui est aux États-Unis d'Amérique, la France, Canada, effectivement, ou capable de commander pour du ça. Surtout là, on vit dans le pays fruit, dans le Canada, on va bon mentir, États-Unis d'Amérique, gros cause, oui, le travail dur. Surtout pour M. Chuck Driver, yo, ça bon pour nous en pile. Contactez numéro ça, non. Plus 1-514-846-97-76. Pas oublier, pas hésiter, relé. Plus 1-514-846-97-76. Relé Moringa Haiti, relé équipe Moringa Haiti, on pas bon mentir, la pote résultat dans problème, gen zouti et gen ban nan pou nou. En avance, peuple haïtien. Jodia, nous exactement 5 novembre 2022. Reginald de Boulos. Aïe, aïe, aïe. Et bien, Jovenel Moïse nous touye. Kale dada, nous pour plaisir, nous. Jovenel Moïse avec épil nan mel. Ma presse président paysan, pas besoin de justice. Ma presse s'il possible. Pour la différence avec le président. Ma presse s'il possible pour obliger tout le pour ça. Ma presse si ça après te puni. Ma presse si ça après te puni. Je dis à moi, les États-Unis d'Amérique, à Bambourade, là qui fait 25 ans, à grimper, à détruire le pays. Moi, je prends yo. Yo sale yo. Yo voyons dans le côté coup poub, t'as coup fatra. Je dis, hein, ma tonne, les États-Unis d'Amérique sous point ça. Reginald Boulos, chef gang numéro 1 dans le pays d'Haïti. Criminel notoire. Assassin. Dernier crime qu'elle fait dans le pays, il assassine le président. Si les États-Unis d'Amérique banon bourad, la map tan yo. Nan ka fou ça. Saisis bien. Reginald Boulos, map tan pour secrétaire d'État américain, Anthony Blinken fait le même genre pour nous. Sont ton note, dis ou saisis bien Reginald Boulos. Ou frise tout à 40 Reginald Boulos.
tout business quelqu'un dans le pays a fermé. Parce que le pape a acheté. M'a pris une note ça, oui. Monsieur le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken. Je pense que c'est un monde sérieux. Je ne peux pas y ça. Dimitri Vob. Ah oui, il est aux États-Unis d'Amérique. M'a pris même bagage là. Criminel notoire. Assassin. Ok? Gang dans les dimensions. Kidnapper. Je dis, hein, si nous démantelons les gens qui alimentent le mouvement violence, nous fin avec la vie de nos pays. Nous détruisons le pays. Si nous bambourade, fais-moi. Nous sortons notre qui nous frise à 40 Dimitri Vob. Nous saisissons les cailles que les États-Unis d'Amérique, nous foutons l'idée de l'autre bois comme criminel. Et puis là, ça, comme l'a dit Haïti pays, là, ça n'a pas tant mis sous piste aéroport international. Tout c'est l'ouverture là. Il m'a tant tout. Gros business qu'elle gagne, les faire Dominicani avec l'argent pays d'Haïti. Pour nous faire président de Dominicain, qui c'est lui, ça vient d'elle saisir. Frise à 40 dans le pays, ça tout. Frise tout bien, prend tout bien dans le pays, ça. M'a tant ça tout. Les Américains. Ou dit, bah, bourade, en nous bas, nous bourade là pour tout bon. Nous allons entendre Joseph Lambert qui a crié. T'as pas le commenté. Mais je ne tiens pas oublié. Il fait Regina Boulos 16 mois, jour pour jour, date pour date. Depuis qu'il quitte le pays d'Haïti. Parce qu'il quitte le pays d'Haïti le 5 juillet 2021, deux jours avant le voyage tout le président paysan, qui c'est le président Jovenel Moïse. Pas j'en oublié ça. Boulos marqué ça. Je fais marquer l'on pied bois dans le pays qui pas tomber Boulos. Non, gros, gros pied bois Boulos. Aïe, 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 petit garçon. Et pas président tout Kalikon ou non. Son petit misagado. Pour responsabilité non. Joseph Lambert. Ancien député. Joseph Lambert. Ancien sénateur pendant deux fois. Alors sénateur pendant deux fois. Actuel sénateur. Actuel président tire sénat. Quel problème. M'sap souffri là. Parce qu'il va regarder petit li dans yeux. Il va regarder madame ni dans yeux. Li pa ka gade famille dans yeux. Ne m'a dit sénateur Lambert, moun sudè sa ptan déclaration qu'on fait pour passer à l'action. Moun sudè sa ptan déclaration qu'on fait pour passer à l'action, sénateur Lambert. Sou pat nan douak pour tout bon sénateur Lambert, ou après l'État fédéral devant tribunal international. Intéressant, sénateur Lambert. Yuri la torti. Après plus de 30 l'année, n'a pas détruit pays. Bon petit volant. Je dis à nous devons faire accompli. C'est fini pour nous. Suspend nous vers bouche nous dans la politique pays d'Haïti. Suspend. 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 Joseph Flamme fait une déclaration. Nous obligé de faire nous tendre depuis au départ. L'ambassade est sous ville. Li pap kite politik la même. Ouè la, c'est nous pou tande ça avec des oreilles nous. Nous pral tande déclaration ça pendant que Joseph Lambert a crié plein et puis il fait déclaration ça. An tande l'ensemble avec parce que je dis ya vidéo ça la plonge en pile, nous en pile dossier que nous pral traiter ensemble avou. Ma pando, prêtez attention, parce que ça qui a passé dans le pays là, c'est nous pour bay bourade là. An nous bay bourade. An bay bourade là pour tout bon. Faut que nous fassions concrètement. Chaque haïtien, an nous mette main. An nous mette main pour nous remoquer machine ça qui bloque le pays là. Machine politique traditionnelle là. Machine politique, classe politique traditionnelle là qui bloque le pays là. Qui bloque kafou ça pour peuple là, pour génération ça, justement. Prend pays en main, en nous remoquer machine politique traditionnelle ça, que quatre roules rachia. En entendant Joseph Lambert, en avance. Même j'arrête 100 000, je vous dis, approche, qui pas qu'à dormir. Parce que je connais dans qui je m'abvive, dans qui circonstance m'abvive, et tout ça que m'a enduré, je vous assure que mon ne pas qu'à dormir à soi.
Parce que dans l'intervalle, tout le monde s'est fait mal, mais qui parlait de mal, ou l'imbi avec un pile, et c'est ou même encore qu'on a plein de Pakistan qui est obligé de faire tel ça, parce que le monde était connaît. Le monde a détruit, ce n'est pas le monde qui est en face. Voilà, c'est une réalité. J'assume. Famille m'a dit au courage. Mes partisans, mes amis de Jacmel, m'a dit au courage. Maintenant, politique là, plus du tout, n'y a que jamais. Pour y a l'homme 15 pieds sous terre, m'a quitté politique là. M'a quitté même pour y a là. Ou bien, 15 balles dans le front, même j'ai assassiné Éric Jean-Baptiste là. Comme c'est pour élimination qui a procédé, et bien, y'a fin tué X, pour y a tué Éric Jean-Baptiste physiquement, y'a accès à tout. Et comme de fait, il y a un effet négatif quand même sur nous. Yuri la Tortue et Joseph Lambert, politiquement, il a tué tout un ensemble de notre génération encore. Il a tué X, l'autre monde qui était passé dans le pouvoir déjà, il a essayé de détruire. Il a clean terrain. Puis répété, ça a été répété, lorsque, lors de l'avènement de Michel Martelly au pouvoir. T'as sénateur Lambert. T'as le. Sénateur Joseph Lambert dit comme ça que. C'est le, les 15 pieds sous terre. Ça veut dire que c'est l'elle mourit. L'a quitté politique la konya. Li pas quitté. M'a dit sénateur Lambert, ou fait menti. Politiquement ou détruit. Ou fini. M'a pas que comme pour vivre. M'a pas que meilleur côté pour vivre. C'est Jacques Mel. M'sieur Koré, mais Jacques Mel appelle. Bien qu'une bafan épaule. Mais ou gen bel kay Bremen, ou gen l'autre villa nan tèt moun, la montagne. Pardon. Ou gen de quoi vivre. Sénateur Lambert, al planté. Al planté banane, al planté mayo, al fè jardin. Peut-être paysan yo, avant jwenn ti la manjay, nan sa kou planté. Suspann. Alors taisez-vous, sénateur Lambert. Ou fin grand moun men, ale mayo. Ozo non, fin grand monde. Ça l'image en pays nous là. Nous fait espace là led. Sorti sous balcon monsieur. Sénateur Lambert sorti sous balcon, nous fait devant qu'elle la led. Sénateur Yuri sorti sous balcon, nous fait devant qu'elle la led. Bouplan sorti sous balcon, nous fait devant qu'elle la led qui se paye d'Haïti. Nenel Kassi, sorti sous balcon, nous fait devant Calan l'aide, monsieur, nous c'est des fatras. Chile Ludor, où est-ce que le corps sous balcon, nous fait devant Calan l'aide qui se paye d'Haïti, nous c'est fatras. Damn. Nous sommes l'image au pays, parce que nous l'aide, nous pas propre. Nous symbolisons fatras, la boule de senti. Nous finissons avec une jeunesse. Avec des belles mesdames nous, qui t'a supposé dans l'université dans le pays d'Haïti. Je dis, vous venez la guerre en Dominicani. Vous venez de choc du avait utilisé. N'importe qui, Jean. Parce que ce n'est pas faute, messieurs dames. Vous avez besoin de la manger. Vous avez besoin pour clean tête yo. Pour payer bill courant, caille chaque mois. Donc détruire l'avenir jeunesse là. La fond politique chabon au pays. Nous ne voulons pas retirer quand nous sommes politique là. Je dis à, mais il y a révoqué nous, green par green. Dans le cas politique là, pour nous payer une chance, une ravette. Je dis tout criminel qui soutient la politique là, qui prend politique pays en otage depuis 1986. Nous gagnons Evans Paul Kaplim. Amérique coupe visor pour même bagala, pour financer gang, parce que nous c'est petit volant que nous y est. Rete nan bagwa on nan, rete yon kon nous sous balcon, ben si vicieux, ben sans visage, ben fatra, ben pas sérieux. Je vous aime tant d'Américain, prends ma télé, saisis tout bien ma télé. Ah oui, ma tante ça tout. Et balan ben seulement, non? Et balan ben, balan ben, j'aime d'adjouti ça, non? Ben nous ma télé sous des chaises. Freeze account Mateli, saisis tout kay Mateli gen États-Unis d'Amérique. Pimpe le pays d'Haïti. Parce que je dis à fok nèg yo, ça ou fin pourri, ça ou fin sentia, fè ou vin vivre là-dedans. Et clair, fè ou vin vivre là-dedans. Et tu es trop moun, monsieur.
Tu es trop monde, man. Nous fin avec mon nos pays. Soudain, Nenel Kassi. Après tout, nous fin tout dans nos pays avec criminel pareil. Qui c'est Fantôme 609? Faut qu'on connaisse ça dans le pays. Ça. Nous méchants trop avec nos pays. Nous méchants avec nos nations. Nous détruisons tout ton peuple. Pour nous défendre, c'est l'intérêt personnel. Nous travaillons pour des oligarques corrompus. Nous faisons multimilliardaires. Le peuple a lui-même n'a pas qu'à manger. Pas sérieux ça, monsieur. Ou tu sais sur le balcon, ben criminel, ben ravette, ben reste avec. Et si m'bable chikin kon nous, peuple a pris manchette ni. Peuple a pris manchette li. Il a pas le côté nous physiquement pour faire nous chikin kon nous. En bas, bon, j'écoute manchette. Entendez, sénateur Lambert, Joseph Lambert, et effectivement, qui a crié, qui a plein. Même j'arrête 100 000, je ne vous dis, approche, qui pas qu'à dormir. Parce que je connais dans qui j'en m'a vivre, dans qui circonstance m'a vivre, et tout ça que m'a enduré. Je vous assure, tout le monde ne sait pas qu'à dormir à soi. Parce que dans l'intervalle, tout le monde sait fait mal, mais qui parle de mal, ou bien avec un pile, et c'est eux même encore qu'on a plein de pour qui ça nous oblige à faire un tel ça, parce que nous n'étions connus. Nous n'étions pas détruits, ce n'est pas le monde que nous en face. Voilà, c'est une réalité. J'assume, famille m'a dit au courage, mes partisans, mes amis de Jacques Mel m'a dit au courage. Dans la politique, là, plus du tout, il n'y a que jamais. Pour y a l'homme 15 pieds sous terre, m'a quitté la politique. Je n'ai pas quitté même pour y a là. Ou bien, 15 balles dans le front, même j'ai assassiné Éric Jean-Baptiste. Là. Comme c'est pour élimination qui a procédé, eh bien, il fin tué X, pour y a tué Éric Jean-Baptiste physiquement, il a accès à tout, et comme de fait, il a fait négatif quand même sur nous. Yuri la tortue et Joseph Lambert politiquement, il a tué tout un ensemble de l'autre génération encore. Il a tué X, l'autre monde qui était passé dans le pouvoir déjà, il a essayé de détruire. Il a clean terrain. Puis répété, ça a été répété, lorsque, lors de l'avènement de Michel Martelly au pouvoir, et que Jules Célestin qui est en première position, il dit non, c'est en troisième position pour mettre. Sinon, il a coupé visa. Il y a bloqué compte en banque, il y a mis madame petit président Haïti débat. Président Préval 2 dans l'université, il y a saisi bien, qui fait que nous sommes obligés de faire retirer la candidature de Jude pour être capable de propulser le monde qui a été besoin de président. Président, malgré que le président du conseil électoral là, à l'époque s'est déclaré haut et fort, que le résultat, ça n'est pas résultat élection, même bon résultat élection, et il fait pression sur le président Préval et pour dire président Préval. Je suis embarqué dans l'avion pour aller quitter le pays. Si vous pas accepter le résultat, ça, j'en peux nous dire là. Ça veut dire que monsieur, disons, Haïti, nous ne pouvons pas demain. Demain, Haïti a sombre. Malheur pays, monsieur. Nous ne pouvons pas poser cette question pour ne pas attirer trop. Inimitié toujours. Mais la situation est grave. Et sénateur Lambert, comme président du Sénat, c'est qui Jean ou recevoir une nouvelle comme ça. Donc, représentant un grand corps. Donc, il est vrai que on a dit son petit corps juif, mais son corps quand même, un officiel nouvelle qui fait quoi que ou t'as dans drogue, ou t'as gain des liens avec gang, ou t'as dans violation droits humains. Bon. Il y a un pile bagaille qu'on dit dans le livre. Il y a un pile bagaille qu'on prend dans la nouvelle. Un pile bagaille qu'on entend et tout. Et que surtout la guerre en Irak, bataille Libye avec Saddam Hussein, en Irak avec Saddam Hussein. Je comprends un pile bagaille. Et je crois que c'est annonce qui est faite par deux pays, ça y est. C'est l'occasion pour les intellectuels de ce pays, les hommes politiques et les femmes politiques de ce pays, comprendre à qui ça y en a fait et qui ça pignouillé par rapport à grande puissance. Vous songez que Kennedy, et pas Kennedy, non, Jimmy Carter, l'homme qui était élu président, trois âmes, c'est tout jeune toujours, c'est dit ceci. Les grandes puissances ne doivent ni humilier, ni persécuter les faibles. Je ne vous dis pas,
annonce qui fait là, inscrivez dans la bataille David contre Goliath. Nous connaissons que nous face à Pium 2, la plus grosse puissance qui gagne sous la terre. Les États-Unis d'Amérique et le Canada, deux membres influents du G7. Ça t'a comprendre? Va comprendre. Mais cependant, ça qui passe là, permet que moi dit. Pi gros bagaille qui pour permettre que nous-mêmes, je ne vous dis, moi-même plus particulièrement, ramasser ta thème, re-soigner l'image, moi, par devant famille, par devant madame, moi, par devant petit, moi, qui ont même souffri de ça, par devant tout votre monde, que bien et qui partage une, moi, qu'on est. Annonce ça, son annonce à la fois déshonorant et son annonce immédiate. Moi, je dis pour qui ça? Parce que, l'on a taxé ou le trafiquant de drogue, mais qui compte faire drogue sorti de Colombie pour entrer en Haïti et pour transborder aux États-Unis. Quand on est là, sénateur, cher Babo Manti, c'est gros cause. Blanc dit comme ça. Sénateur Joseph Lambert, il y a 20 années depuis qu'il a fait drogue sorti dans le pays Colombie pour entrer en Haïti et puis transiter pour aller tomber dans le pays Tonton Sam. Et effectivement, loi américaine a dit de pour faciliter drogue entrer dans le pays là, quelque ça Jean ça y est la pont quand même parce que c'est comme ça dans tout le monde là au fait. Est-ce que vous comprenez? Mais où t'es là? Où t'es là et ça fait nous détruire pays hein? Parce que blanc lui même quelque part. Là nous là comme ravette, comme irresponsable, comme criminel, comme pas sérieux. Là nous al prend mandat dans mes peuples là, nous connaît que nous pas sérieux, nous pas ka garder blanc dans yeux. Blanc servi avec nous jodi a. L'international a vienne trouver que au devant fait accompli parce que son route pour yo. C'est pico route que lié pour international. Jodi a ça qui passé là peuple haïtien. C'est rêver médaille là oui. C'est rêver médaille, attendez bien. Les États-Unis d'Amérique échoué dans le pays d'Haïti. Toute mission diplomatique dans l'Amérique, toute bagarre autant de vous, échoué. Raison simple. Parce que y a des ravettes politiques, y a des criminels notoires qui pas jamais de volonté, même pour un seconde pour faire des bagarre pour le pays. Ils tout tous des clans. Le blanc venu, ils tout réunis sur une seule table. Coup blanc allé, ils ont chacun leur petit record là. Vin sur eux, vin sur eux. Parce que c'est tout pas sérieux. Blanc après, ils ont gagné par gagné Kounia, la passé au Lord. L'autre bat contre blanc, pour le faire exactement ça, le fait là, ensemble avec vous. Tendez bien. Ça que fait États-Unis d'Amérique a fait ça, l'a fait là. Attendez bien. Population vient tellement d'enrager qu'on y a. On a besoin de la paix. C'est pas faute, yo. Il n'y a 45 minutes nous avec Miami, Florida. Nous, qui États-Unis d'Amérique, a coopéré ensemble avec nous depuis plusieurs années. Ok? Nous pas qu'à gagner la paix dans le pays. L'ambassade américaine là. Nous n'y a pas qu'à vivre. Quand la population vient s'attirer la bout. Faut que les agents ont l'autre coopération. Ce qu'il pas comprendre qui ça que la Russie ou bien la Chine, mais sauf que y a pas l'autre coopération. Ça fait pas l'autre coopération. C'est parce que senti que coopération et les États-Unis avec Haïtiens pas porter résultat, pas porter fruit pour eux parce que nous dans l'insécurité généralisée, nous ne pas qu'à vivre, misère totale, pays fini, pays écrasé, politiciens tout mis en peuple, nous pas jamais dans rien. Peuple a débarqué pas pile par Macron avec drapeau la Russie devant ambassade américaine dans pays d'Haïti. Ça l'est dans pile oui et le coup de jus qu'elle y a pour les États-Unis d'Amérique oui. Ça que bayol c'est frappe politicien traditionnel. Peuple a débarqué. Il y a pas de coopération la Chine devant ambassade américaine dans la coupe d'Haïti. Message ça est arrivé. Et de fait, les États-Unis d'Amérique, communauté internationale la suivent médias en ligne en pile. La suivent émission que n'a fait là chaque jour. Il y a des monde qui traduit pour yo, des monde qui parle avec eux. Vous venez comprendre que le peuple a une nécessité. Le peuple a envie de vivre là, Kaeli. Le peuple a envie de vivre dans le pays. De fait, américain, dit la paix dans frein dans ça. Tout le monde qui a dit la veille, pas sérieux, la fout démasquer. Si nous-mêmes, comme haïtiens, voulons prendre ce pays en main, comme monde qui propre, nous prenons ce pays en main. Je salue Dr. Claude Joseph pour la responsabilité de jeune garçon. Papa haïtien, situation compliquée. Joseph Lambert, où est-ce que tu as-tu? Monsieur, c'est fini pour nous. Nous comprenons que nous avons plein. Quoi dit? Mais il faut que nous te connaissions. Après 25 ans, nous avons fait un peuple mal.
faut que nous attendions le tap gon repos quand même. Entendez nèg yo k'ap plainte. L'important, prêtez attention nous parce qu'il y a des gros bagages qui parlent parler là. Moi personnellement mouri en même temps. On dit monsieur, faut pas aller chercher manchette li, chercher monsieur grain par grain, foot manchette sous yo. On avance. Là au taxé ou de moun qui impliqué dans tuer moun. Là au taxé de moun qui en a fait avec gang et qui a financé gang dans pays ça. Monsieur, ça pas comprendre. Va comprendre. Pour moi-même, ça qui a passé là, c'est un pari pour la loi. Pour voir ce que la justice vaut dans les grands pays. Parce que si en Haïti, on est qu'à minimiser question ça, des pays qui se disent démocratiques et qui disposent de systèmes judiciaires indépendants, eh bien, ont action en justice. Mais fondamental pour nous, pour que la justice capable bailler lumière définitivement sous question ça. Pas ta souhaiter que la politique allait influencer la justice dans un pays ça, tant que la politique capable d'influencer la politique dans un pays ici. Parce que si les magasins qui vendent les armes aux États-Unis, qui facilitait quelques 600 000 fusils d'assaut entrés dans le pays. Pour capable non seulement alimenter gang, traverser agent CIA qui sortit Colombie, qui traversait États-Unis, qui vivait en Haïti, tout le président, nous croyons que magasin Zamsayo, il y a plus préjustice aux États-Unis que nous-mêmes, nous avons plus préjustice là en Haïti. Je dis à monsieur certain que famille, mes proches yo, et toute partisan, il y a souffert de ça. Mais ma vie, yo, yo met fier, yo met bien courage. Parce que Lambert va engager en action en justice par devant juridiction compétente yo, aux États-Unis et à Paris. Vous préférez vendre souliers dans le pied pour que justice là, abouti. Mes amis, écoutez, Haïti débat. Tout le monde connaît que Joseph Lambert son nègre qui partillé avec gang. Tout le monde connaît que Joseph Lambert là pour le prêter serment en bas après résolution Sénat. C'est en bas coup d'âme gang qui mette le dehors. Si gang capable de mettre le dehors pour ne pas prêter serment, voilà que je vous dis à Télé, même pas alimenter gang, mon cher paradoxe, ça, son paradoxe enragé. La continue pour nous dire. Si Lambert péché, nous faisons Lambert péché dans cinq bagailles fondamentales. Et si son péché mortel lié pour les États-Unis et le Canada et pour ses acolytes en Haïti, qui toujours qu'on a fait rapport sur moi, parler mal et autres, etc., à faire Shelton, ça, non, à faire Otto et autres, etc., et toute l'autre politique des Judas Iscariot qui qu'on a dit, bah, il menti sur moi pour capable éliminer l'image, moi, m'a dit, il y a cinq bagailles fondamentales que tout le monde doit connaître. Pour les bagailles fondamentales que tout le monde doit connaître, c'est que Joseph Lambert est opposé à qualité référendum que Jovenel Moïse devait faire dans le pays. Et ça pas très. Ni les Nations Unies comptant à travers Mme Laline, pour te même traiter de monde qui est violent, ni pas fait. Aucune grande puissance, et plus particulièrement Mme Sisson, ambassadeur américain, ça, c'est leur affaire. Parce que le référendum, ça, n'est pas bon pour le pays dans la condition qui ont été faites là. Boule pays. Lorsque la résolution du Sénat est adoptée pour faire de Joseph Lambert appuyé de peine première version, peine qui était gagnée, Madame Bouzil, qui était gagnée, tout le monde sait, je ne vous dis pas qui la donne. Eh bien, lorsque nous avons prêté serment et que Madame Sisson a cherché à joindre un couche info, jusqu'à ce qu'elle s'est transitée par 11 amis communs que m'a pas posé cité non pour capable porter préjudice pour lui.
pour te relèm pour le dîme, et que je vous interdis pour mettre pied au dans l'environnement palais national. Là. Nous n'avons pas d'accord même avec ça. Et ça, ce n'est pas on demande que nous faisons, avec des injonctions que nous faisons. Mm-hmm. Or, j'ai eu à dire à Mme Sisson qu'on n'est plus à l'époque coloniale, qu'on n'est plus à ce stade. Vous n'êtes pas mon employeur. Vous écoutez. Et il est difficile d'accepter ce genre de propos, de paroles, de comportements qu'on va pas adresser à un président Sénat, un sénateur la CAILI. Et lorsque le tapin insisté, je me mette dans le rôle, et que je me dis un mot que je ne peux pas dire, certainement que je ne peux pas quand même oser dire là, va te faire foutre, et bien je te dis ces paroles, vous allez les payer chèrement. Et le sénateur Youri La Tortue était présent. Il y a un autre sénateur qui était présent, qui était gagné deux autres monde encore qui était présent. Mmh. Alors, ça c'est deux. Trois. Le sénateur Lambert opposé, il est clair, il n'est pas d'accord avec Jean-Président Jovenel Moïse. Elle te dit que ce n'est pas normal pour que des Colombiens, parmi là-dedans, avec Haïtiens, parmi là-dedans, c'est agents CIA que vous voyez, pour que Mounsayo rentrer en République dominicaine, yo fini en Haïti, yo tué un président la CAILI, et malgré États-Unis prend dossier en main, jusqu'à présent, rien pas capable de faire, et où même juge qui travaille sur dossier a décidé pour classer certains dans dossier top secret. Avec des dossiers que vous fermez, que vous pas ouvrir, parce que vous pas oublié, ouais, niveau implication ou la donne. Qui sont dénonciations. Je suis sûr que dans un pays démocratique et dans un système démocratique, et pour un pays qui se veut aussi démocratique, nous pouvons être, en tant que parlementaire, en tant que citoyen haïtien, je suis en droit de dire ça. Et toi, je dis aussi que quatre, que les États-Unis, mes amis, c'est la caille aux amis sortis. C'est la caille aux sortis entrer ici. Et puis bon, au lieu que peut-être n'a plein ici pour n'accuser monde, de connivence avec gang et autres, etc. Il y a mieux pour que au moins nous freinions entre les amis qui ont fait pas bon ici. Parce que si 600 000 amis ici, qui sortent aux États-Unis à 90-95%, et que gang a imposé mon vivre, c'est que vous êtes pour une bonne partie responsable de situations difficiles que le pays a fait face à ça. Il faut d'abord commencer par prendre au sérieux vous-même avant peut-être de culpabiliser nous autres, Haïtiens, et tout l'autre monde qui compose ce système. Non. Mm-hmm. On fait quatre. Et toi, cinq. Monsieur, en nous clair, dans un pays où, depuis 2008, nous gagnons des lois ou bien accords que nous faisons avec les États-Unis d'Amérique. 107.7 FM. Joseph Lambert, pendant longtemps, a prôné un seul bagaille. Vérifiez mon compte Twitter, monsieur, depuis 3 ans. Sur la présidence Jovenel, m'a plaidé seulement dialogue, accord, compromis. Joseph Lambert, depuis 2008, a dit que les kidnappeurs doivent être traqués comme des bêtes sauvages jusqu'à leur dernier retranchement. On va dire qu'il vient presque même populaire en Haïti. Joseph Lambert, depuis période ça, choisi pour que il a cherché joindre dans quelle mesure pour nous mettre Haïti au cœur de débat et au cœur de préoccupation. Est-ce que son péché, si demander la Cour des comptes, ouvrir une enquête sur les 40 millions de dollars américains qui n'ont même pas de 600 mais qui n'ont pas de basket fondement, mes amis? Si ça a son péché, dis-moi, est-ce que son mauvais péché, ça t'avait dit qui ça? Si c'est visa, dénonciation. Vous écoutez. Et toute votre qualité bagaille, qui pour faire que on moun pour faire politique en Haïti, m'a dit tout de suite à tout le monde qui a fait politique en Haïti, hein, pas choisi de visa en quel côté sur la terre, autre pays qui tolère nous. Si nous te réfléchissons comme ça, Haïti, pas d'hôpitalier là. Si nous pas de connaître que nous tenons l'autre pays de réserve, mais justement, nous avons fait effort pour un clean pays que nous avons. Pays côté que nous vivons là. Petite nous, madame nous. Nous avons organisé dans l'État, nous avons fait bon gens à l'université.
bon gens l'école professionnelle, nous avons mettre bon l'hôpital avec l'argent qui passe dans le pays ça. L'argent nous facilite boulos vol dans le pays ça. L'argent nous facilite Dimitri Vop vol dans le pays ça. Nous avons gagné n'importe gros l'hôpital tel que Jackson Hospital. Hospital. OK? C'est-à-dire que Haïti nous détruit. Nous facilite comment les bicho multimilliardaire, nous avons gagné quoi pour nous faire l'hôpital pour nous faire route 4000 km route que pays en besoin que nous trouvons le président Jovenel Moïse pour lire. Nous avons gagné l'OTAN dans le pays. Nous avons gagné loin dans le pays. C'est parce que c'est des ravettes. Nous connaissons qu'on a lâché 4 dans le pays étranger, qu'on a vivre bien dans le pays étranger et puis pays côté nous chef là. Nous considérons comme un espace pour nous faire l'argent seulement. Mais je dis, c'est APCA qui pète dans la boule figue nous. Et c'est peser à peser. Pas que l'autre solution, c'est peser pour peser, pour faire nous payer ça, pour ça que nous fait comme des politiciens ravettes, comme des sauvages. Nous méchants trop. Si nous te considérons pays comme un pays normal, côté que nous devons vivre, le sénateur Jacmel, ou t'as connu ville Jacmel comme ville touristique, ou t'as protégé, ou t'as préservé, ou t'as fait des méga projets, belle plage nous yo. Ou t'as mis Jacmel dans la dimension côté que pour qu'il y ait un monde qui pourrait venir investir dans le pays. C'est pas patron t'a protégé pour patron alimenter Iso pour Iso fin avec Matissan pour mon Jacques Mel pas dans le pays yo. Nous méchants, je dis à faut que nous payons, ap c'est apété. Aïe aïe aïe, continue parler non papa. On va parler maman pour vous parler. On va parler encore l'autre semaine. Choisis bien aucun côté sur la terre, autre côté qui tolère nous. Et meilleur monde je ne vous dis à qui capable choisir un président pour pays ça. M'a dit nous c'est tout bon frère, nous besoin président. C'est moun ki pa gen ni visa, c'est moun ki pa gen ni bien dans pays l'autre bord qui pour dégager yo pour choisir un président pour pays ça parce que me finit par rendre compte que ces deux pays commencent par faire ce que je pourrais appeler en élimination en douce de tout potentiel politicien et de tout et pas potentiel de toute ravette sénateur Lambert sont sérieux nous audacieux trop monsieur. De toute ravette, de toute corrompue, de toute pas sérieux, de toute drug dealer, de toute criminel. Y a débarrassé nous de pays ça. Parce que nous fait payer trop mal. Nous pas une volonté réelle pour nous de payer en rien. Ou fidèle avec Renaud Dib. Ou très fidèle avec Renaud Dib. Ou prenez tout service pour faire l'argent. Ou bloquer tout ça gagné comme projet présidentiel. Pour faciliter projet pas criminel, ça relè Renaud Dib le passé. Ou détruire un président, ou assassiner un caractère président, ou crise grâce à l'État, pour nous faciliter, patron, nos jeunes, comme si nous avons de contrats. Je dis, hein, ou rendre compte de ça, mais il est trop tard. Nous pas besoin encore. Allah qui connaît le fatra, parce que nous c'est fatra qui nous y est. C'est le candidat que vous pensez qui te capte et fait face à nous, non? On dynamique côté ouvré pour que ces domestiques seulement coûtent. On a commencé avec Moïse Jean-Charles. Nous tous connaissons ce qui se passe. Maintenant, on s'en prend à Youri la tortue. Parce que l'environnement, pouvoir, je ne vous dis, ces services d'intelligence pays ça qui pas fonctionné assez, qui n'ont pas connu combien de cob que pouvoir abaille et mettre à la disposition gang, financer gang. Le G9, qui est-ce qui t'a créé G9, mes amis? C'est Mme Laline qui t'a fait annonce, non? Et que le secrétaire général de l'ONU, Gutiérrez, t'a dit que depuis G9 en place, et que tout kidnapping et autres, etc., finit en d'un pays. À un certain moment, G9 était bon, et puis quand il y a G9, pas bon. Mes amis, écoutez, même je n'ai pas à me plaindre. Sauf que, dire 20 ans, depuis que maintenant le trafic est tout aussi. Pendant 20 ans, vous continuez à me recevoir chez vous. Pendant 20 ans, vous continuez à me donner, à titre courtoise, je veux bien dire, courtoisement, mon visa pour m'entrer la caille. Et ce n'est que à jour J-3 ou 4 ou 5 de la signature d'un accord qui verrait peut-être un Joseph Lambert désigné par Le Pen en dans un haut conseil de transition, si toute négociation a abouti, et puis aujourd'hui Joseph Lambert et Youri La Tortue, deux anciens sénateurs, deux sénateurs de la République, deux présidents de l'Assemblée nationale, deux membres influents ou proches du Pen, et puis Julien Jodia,
eh bien, yo gen tan taxé yo de tous les maux d'Israël. M'a gen trop bagay pour me dire. OK. Sauf que, m'a dit, Paris, ça, son pari sérieux que lié. Et Paris, ça, son pari pour la justice. Son pari pour la justice. Son pari pour la loi. OK? Pour nous, ouais, si la justice dans le pays étranger, yo, vaut même bagay avec la justice en dans pays d'Haïti. Demain, qui s'est dit? Il a dit, il a bien arrêté l'ambin sous fallacieux prétexte que des trafiquants de drogue. Et il a bien arrêté Yuri sous fallacieux prétexte que des trafiquants de drogue. En nous attendant peut-être à prochaine étape. Okay. Mais un fait est certain, c'est quoi? Je ne vous dis pas, monsieur, je n'ai moi-même visa canadien depuis, je le Canada depuis 2009, si je ne me trompe pas. D'ailleurs, Canada, pour m'aller là, sincèrement, ce n'est pas mon côté, je suis en c'est moi-même. États-Unis, je vais continuer à avoir un visa américain jusqu'à ce que le visa expire avec la crise qui est là. Je ne vais pas renouveler encore. Et je ne vais dire, est-ce que je vais bien aux États-Unis? Je vais bien, je vais 4 crédits. Je vais même bien, on est petit tête aux États-Unis. Je vais gagner même un grain de soulier au Canada et autres, etc. Tout ça, je vais Haïti, je vais alors, transparence, quand dit là en Haïti, tout le monde a ligne en Haïti. Et je suis certain que ça qui passe là, le monde sud-est n'est pas content. Ceux-là qui me sont proches, le monde qui toujours a dit à tort et que Lambert X, Lambert Y, Lambert Z, je ne veux dire, je suis certain que n'a pas dormi avec tête fait mal. D'accord. Après, tout ça qu'on a dit, eh bien, il y a un impact négatif, je ne veux dire, sous la vie peuple haïtien, sous la vie famille et sous devenir. Mais d'accord, par contre, et... tout le monde qui s'en mime, m'a dit, fier de moi, fier de tête nous, et que nous pas gagner en rien que nous capables de reprocher tête nous, ni en rien tout, que nous pas faire autre que choisi pour aller devant la justice pour que vous blanchiez. D'accord, et sénateur Lambert, nous avons pour être avec nous, nous avons deux, trois petites questions éclairées, et pour même, et pour le sénateur Yuri Latortue. Nous avons commencé avec le sénateur Latortue d'abord. Et sénateur Latortue, est-ce que vous avez dit nous combien de fois vous avez retiré le visa américain? Scoop. Allô? Haïti débat. Allô? Allô, sénateur Latortue, ou là? Oui, je suis là. Je suis oui, là. Et la question, est-ce qu'on a dit nous combien de fois ils ont retiré visa américain? En 2007, l'homme d'a renouvelé visa. C'est le ça que au niveau de l'ambassade là, il te dit, gagné en enquête qu'il a fait par rapport à au monde qui était porté plainte pour un, il te dit que c'est la drogue qui était et l'ambassade là. Il est ça, il était dit que on fait enquête là, après enquête là, il est. Donc, de 2007 à 2012, je n'ai pas eu de visa. Mais je dis, je n'ai pas besoin de visa tout autant que de pas bon résultat enquête là. Et nous avons passé 5 ans. Jusqu'à ce que, en 2011, dans Wikileaks, nous avons découvert justement et le petit meuf qui parlait dans l'ambassade là en mai 2005, tout a vu. Que ce pauvre naïve là, je vais faire drogue, parce que moi te dis que pour moi, il n'est pas payé pour lui, et moi te dis qu'il faut le payer. Donc, il a l'accusé, moi t'as le tribunal, il a été dédommagé, moi t'ai signifié jugement à l'ambassade là, et en 2012, je t'ai élevé, je t'ai redonné le visa. Donc, c'est ça que je dis là, moi vraiment étonné que ça y a parlé de là, son bagage qui est arrivé en 2007-2012. Ok, ok. Et, moi-même, là que j'ai parlé de ça aujourd'hui, et en 2007-2012, comme de fait, je n'ai pas de bon visa, je ne suis pas invité dans aucune délégation comme sénateur pour que je dans l'ambassade. Depuis 2012, ce n'est pas le cas. Et là où j'ai parlé de ça aujourd'hui, je me dis, attention, si on a un problème politique par rapport à la position, par rapport à la jambe de deal, mais si son bagage que même encore, il était corrigé, moi, parce que je dis, il y a une situation vraiment d'abus. Et je pense que par rapport aux abus, il faut que nous-mêmes,
nous défendons tête nous devant la justice. Si c'est politique que nous prenons décision contre moi, parce que moi compte question intervention, moi te compte que je refuse de voter loi électorale. Là, au niveau de l'ambassade, là, je te demande, moi je te dis non, je ne suis pas capable, moi j'ai opposition. Donc, si c'est pour ça, je peux toujours faire. Mm-hmm. Et si c'est pour l'autre question que y a dit de drogue, je connais ce matin. Mm-hmm. Méchant. Mm-hmm. Puisque la question ça a été vidée, et ceci depuis 2012. Mm-hmm. Mais sénateur, l'entends-tu, pour qui ça, les États-Unis, par exemple, ont un bon rapport ensemble avec vous, tic-tic-tac, et les retirer visa, pour qui ça c'est vous-même, un grand sénateur de la République comme vous-même? Écoute, on comprend qu'en 2007, jusqu'à 2007, moi, je pensais que moi, j'ai étudié aux États-Unis et en 2001. Après ça, au Canada, moi, j'ai entré. Et en 2004, justement, États-Unis, États-Unis, j'ai été contacté comme il y a un monde qui était un ancien chef de police dans le pays. Parce que j'étais dans un rapport de moi que j'étais un policier compétent et que j'étais étudié, que j'étais capable de choisir par la police. Je dis que je ne suis pas qu'à aller. Et que je vais aller au niveau des élections, au niveau du Sénat. Eh bien, c'est à partir de 2007, bon accusation qui fait, et accusation tout le monde connaît le pays, nous allons devant le tribunal, pour me défendre tête, moi, j'ai passé 5 ans, d'ailleurs, je me suis dit, moi-même, je n'ai pas besoin de m'en déjouer, je ne pas éclairer tout, je ne pas dire qui est. Donc, depuis ce temps, j'ai eu justement un acharnement, j'ai eu en deux occasions, qui ont été demandé nous, il y a des lois pour nous voter, il y a des positions pour nous prendre. Moi, j'ai dit non. Malheureusement, je n'ai pas dit oui, parce que l'Italie, contre moi-même, ça me pense de pays. Bon, écoute, dans une situation comme ça, je vous dis, moi, je crois que ce que les États-Unis veulent comprendre, il y a des gens qui, dans le pays, qui vont fonctionner, dans la démocratie, ça a des différences. Et différences, là, même j'en assume, lui-même, il faut assumer. Il y a des différences. Mais le problème que vous soulevez là, je vous dis, c'est un problème que je dis, qui était posé en 2017, qui est résolu en 2012. Question violence blanche, moi encore, moi je pense que les États-Unis, c'est notre soutien. On dit que si, justement, il y a des problèmes qui sont posés, je ne vais pas inviter des gens dans l'ambassade pour rencontrer des délégations. Mm-hmm. Moi-même, moi j'étais toujours là, c'est un problème de violence. Moi je pensais qu'on t'a posé. Le moment où on vient me poser, l'inspirateur et l'empereur se dit, il y a d'autres bagailles qui ont besoin. D'ailleurs, monsieur, combien de monde y gagnent à des sanctions qui ont pris contre eux, quand parti cap humain, je dis à eux annoncer pour deux sénateurs. Pour qu'ils ne soient pas annoncés pour tout le monde qui ont pris des décisions dans le gouvernement de l'autre côté. Mais c'est... Oui, je comprends que vous prenez pile décision, mais normalement, Jacques-Yves Jean Codiab, là, moi-même, je bat bravo. Et là, vous correct, sénateur Youri. Même Jean yon prend décision yon retire visa mené justice là qui s'idore Seberto, et bien effectivement, faut que ta sorte un rapport public pour ta dire effectivement, mes raisons 1, 2, 3, 4, même Jean yon fait pour Lambert et Youri nous dit qu'il fait trafic de drogue international depuis 20 années. Gros cause, oui. Faut que nous ta dire effectivement, visa Daniel Cassi nous retire pour telle raison. Visa André Michel nous retire pour telle raison. Parce que, écoutez bien, s'il pas fait comme ça, la paraître yon. Une politique de poids et de mesure. Comment ça, mesure, ça veut dire que nous avons mesuré, quelque part, nous sommes capables de penser que c'est un bagage politique. Mais tout le monde connaît que monsieur n'est pas bon monde. Honnêtement. Ok, mais monsieur connaît tout, il n'est pas bon monde. Monsieur connaît pas bon monde. Et il m'a fait tout ça que vous voulez, il connaît pas bon monde. Mais en gros, moi-même, je dis ça honnêtement. Ce qui a passé là, c'est exactement ça que nous sommes capables de la loi du karma. Parce que pas grand yon fait sauter ça pour Powell. Karma, quelque part, il marche même ensemble avec la justice américaine. À pas tortue. Et ou ap vend drogue, ou ap fait mal, yon quitte ou là. Ou fait 15 ans, 20 ans, ou ap vend drogue, yon quitte ou là. 20 ans, ou possède des millions de dollars. Parce que donc, quand il y a l'argent, et puis on a qui vini, il met mes sous, il dit on allait. Elle arrive dans ton bout de lit. Il dit on allait, il vient dans ton bout de lit, on va continuer encore. Ok? Ça veut dire que c'est ça que
c'est exactement ça qui a passé et nèg ça yo qui prend tout le temps yo qui sacre tout le temps yo avec une politique de destruction de caractère moun qui propre dans pays a détruit moun qui gen volonté réelle pour aider un peuple on fait politique ça pendant plus passé 30 l'année résultat nous joignent nous toutes riches comme des politiciens patron nous multimilliardaires riches nous fait nèg riche dans pays a mais vous regardez peuple là en bas yo la saline dans fatra et Delma 2 dans fatra village de dieu en bas coup de zamizo on détruit tout pays en net qu'on est parce que nous font politique qui basée sur violence assassinat de caractère détruit monde. Jodia, c'est frappe là, apse a pété dans boule fegi nou. Et c'est pesé, peuple a pesé. Parce qu'il nous pas propre. Ma bonne possibilité pour nous parler, pour peuple pas attendre ça nous te dit. Parce que nous connaissons l'autre semaine, nous pas parler trop. Mais entre temps, m'a dit pour nous qui est au Canada, bon, c'est sénateur, il fait une connexion au Canada pour 4,5 millions de dollars américains. 4 500 000 dollars américains. Sénateur, ça, même pour un seconde, non? On va rappeler la coucaille, ça, qu'on ne m'a pas la voilà. Bon petit vol, là. On avance. Sénateur, sous question violence, là, il y a un pile de blousailles qui fait dans la cité indépendante, qui c'est fier fou. Et il y a des gens qui sont capables de penser le fait que pas de plim cheveux qui sont dans la tête, ou t'es capable de dire les actes violents, ça, ou qui sont abdi dans ça? Mais premier dépôt que crase du naïf, c'est dépôt mon qui proche pas tia. Premier dépôt que tu crase là, et depuis hier. C'est dépôt mon qui proche pas tia. Comme c'est ton émeute de la fin, son dépôt qui peut louer justement avec avec le PAM. Eh bien, le ça, il y a Piel. Et le Piel là, ils ont fait 2-3 jours avec Piel, ils n'ont pas bien pour réagir parce que c'était des mondes, eh bien, qui étaient un groupe, qui étaient allés à côté. Mais nous victimes de ça. Mm-hmm. Donc, ça, moi, j'ai dit, moi, j'ai fait tweet sous lui. Donc, c'est pas que je suis une victime. Moi, victime de ça. Et hôtel, vous arrivez là, ils étaient menacés. Tout le monde connaît, des mondes qui viennent devant. Ils ont averti la police. Et lui-même, il veut Wall dire ça. Mm-hmm. Mais nous victimes de ça. Mm-hmm. Peut-être qu'il y a des informations, et les informations, il y a tout le monde. Mmh. Et dernière question est claire, sénateur La Tortue. Bon, en plus, mon cas estimé, il y a un gros problème qui pose là, parce que ou pas qu'à aux États-Unis, et ou pas qu'à aller au Canada, et il y a une fixation sur vous comme monde qui est dans la drogue, et nous connaissons l'on dans la drogue, il est difficile pour aller négocier avant, donc table de négociation est capable difficile. Donc maintenant, qui ça ou pas le faire pour capable crédibiliser tout? Parce que on monde qui n'a drogue, qui n'a gang, ou pas éligible dans quel pays sur la terre, sénateur, là, tout de suite. Écoute, deux choses. Cette question de drogue, ouais, depuis 2007, je te dis, il était 5 ans. Et pendant 5 ans, moi, j'ai assumé le bas dans les États-Unis. Jusqu'à ce que je te dis, éclair-t-il, et que l'ambassadeur, lui-même, était au banc bizarre. Ça, c'est clair. Deuxièmement, moi, je crois que la question de gang qui a parlé, moi, j'étais le seul monde qui était campé, qui était bas au plan, qui était dit, pas possibilité pour que, eh bien, avec chef policier, nous mettons ça en pratique pour que dans 3 mois, pas de gang dans le pays. Donc, moi, parce que comme haïtien, moi, j'ai fait travail, hein, moi, je crois que la meilleure façon pour nous défendre, nous sommes dit, ou bien deux pays qui sont démocratiques, en Haïti, moi, j'étais seul, l'autre bon pays, c'est le plus démocratique, système judiciaire qui fort, moi, je crois que c'est pour le gouvernement fédéral, parler pour le côté preuve devant juge, côté que ça y est dit pour le prouver, sinon pour le retirer. Et seule façon que nous gagnons pour le moment, c'est la justice, et nous-mêmes nous parler pour le faire. Nous avons mené un combat ça en première fois ici, nous avons mené un long fois en France, et dans deux combats ça que nous avons mené, nous avons sorti, eh bien, justement, vous avec une situation qui prouvait que nous n'avons pas rien. Donc je dis, yo mandé nous, yo attaqué nous encore pour nous mener du combat. Madame Ménel, j'avoue Ménel là parce que moi, bon homme, mon passé. Et
ça qui là, il pas basé sur rien, parce que nous disons nous, moi pas dans drogue, moi pas dans gang, moi pas dans blanchiment, ça qui est là, moi pense que c'est une question purement politique, et que je dis, on déboute tout argument ça devant le tribunal, et c'est la seule façon que moi gagne pour le moment, pour que avocat nous, eh bien, je prends la question en main aux États-Unis et au Canada, pour que justement, je défende et je lave justement l'image. Donc, moi, je pense que le pays sérieux, politiquement, le souillé. Mm-hmm. Et sénateur Latorci, bon, moi-même, Val m'a posé question ça, puisque Manuel Yves pose en pile question, moi, ouais, comment nous enchaîner. Mais question ça, pratiquement, c'est pour nous deux. Est-ce que selon toute explication, que ce soit vous-même, que ce soit sénateur Lambert Baye, notamment ou même sénateur Latorci, comme nous ou comme un éventuel candidat à la présidence, est-ce que selon vous-même, bataille ça, son bataille est purement politique qui a fait par l'international en certainement collaboration, en complicité avec certains acteurs nationaux pour t'éliminer sous scène politique là définitivement pour pas capable candidat à la présidence? Et pour nous-mêmes, sénateur Lambert, ou même pas capable de participer dans le processus de négociation. Est-ce que ça s'en va comme ça? Donc, on va répondre et puis automatiquement, Manuel Yves est tourné dans la charge là pour poser sénateur Lambert question, ou même la réponse, vous laissez à sénateur. 107.7 FM stéréo. On se dit déjà, nous te lancer pour nous adopter un compromis historique. Et compromis historique là, il te dit que pays a bon côté pour nous vivre, nous passons dans une situation extrêmement difficile, pour nous parler à tout le monde, même autorité qui a placé pour nous donner une solution. Et solution, ça, même si je ne suis pas d'accord avec elle, moi-même, je ne pas combattre, parce que moi, je pense que le pays a eu bon côté, on doit aller, on doit avancer. Et que nous-mêmes, quelle que soit la solution, nous pouvons participer en notre gouvernement, et nous pensons que le parti politique, c'est une élection pour y aller. Donc, pour l'histoire, nous sommes clairs. Nous pas très extrémistes, nous te dit qu'il faut payer à ce qui la donne, mais la solution doit chercher à son vrai solution haïtienne. Pas oublier que nous te dit, un mot important, nous te dit, international n'a pas voulu une solution haïtienne. Et chaque fois que nous voulons joindre une solution, je dis nous, mais qui est-ce qui vous la donne, mais qui est-ce qui vous qu'aimez. Et moi-même, nous te dit, international là doit quitter nous une solution, et nous te parti pour que nous te contactions tout le monde pour nous donner une solution. Bon. Si je dis à vous, parce que solution haïtienne table, je ne mets pas bon, il faut le bloquer. Si je dis à vous, parce que position nous, que nous dit, c'est pour les générations à venir, ça veut dire que ça, rien, eh bien, pour garder les autres générations, les élections à venir, il va agir. La seule chose, Moi, je pense que, à la bataille, à cette bataille politique, il faut répondre dans la bataille juridique. Parce que je dis à, position juridique politique, on va assumer. Je vais déjà assumer. Je vais déjà dire comme militaire. Je périrai la tête droite. Je ne périrai jamais les chines courbées. Et je suis fier de le dire. Depuis l'académie militaire, position, quel que soit ça, instructeur de conduite, et bien, je ne suis pas d'accord. Je vais me garder le lancer jusqu'à ce que je te transporte sur le point. Et puis, j'ai des cadets lieutenants et officier capitaine de la promotion de contact. Des cadets lieutenants. Je dis non, c'est pour m'abandonner le cadet lieutenant. Je dis non, nous apprenons le cadet lieutenant non, même. Mais je ne peux pas abandonner. Parce que moi-même, m'appeler à commander. Je le sais, ils font notre sortie, je prends le même et je te mets le cadet simple parce que tu es un, eh bien, en petit, en colonel, et je te fais le cadet lieutenant. Je assumé. Mais je suis sorti quand même lauréat. Dans cette situation, je ne sais pas. Je traverse une situation où tu es un des abus. Côté il y a des positions dominantes comme là, les États-Unis et le Canada. Nous-mêmes, nous allons dans le chemin du droit. On va faire appel à la violence. On va faire appel à ce que le monde nous manifeste ni et non. Il y a pas capable encore. Il y a justement besoin au chemin pour que nous puissions vivre. Cependant, il y a le chemin du droit, il y a le chemin de la justice. Ça, moi-même, dans la vie, qui toujours ma thème, c'est qu'à plusieurs moments de la durée, comme l'académie, nous découvrons dans des situations difficiles. Mais j'ai persévéré et mon arrivé côté de moi. Je dis, moi, pense que la situation n'a pas répondu par le juridique pour nous sortir et la donne et nous créer
position politique. Non. Et puis, d'ailleurs, ce n'est pas nécessairement, justement, au monde qui a sauvé le pays, ça a toujours vu son leadership collectif. Je ferai toujours partie d'un leadership collectif pour sauver ce pays avec des positions haïtiennes, hein, en regardant justement tous les pays amis qui sont à côté de nous, droit dans les yeux, pour que ça prenne position haïtienne que nous prenons. Mais en attendant, pour sortir, la bataille juridique doit être menée. Et si c'est pour la bataille juridique, que ce soit au Canada, que ce soit aux États-Unis, mon système, il a quand même mêlé l'État fédéral devant la justice pour que Dieu porte preuve de sa rédia. Merci, sénateur Lambert. Merci, sénateur Latortu. On a enchaîné rapidement avec sénateur Lambert. Sénateur Lambert, vous là? Oui, je suis là. Oui, nous reprenons la question pour Val. Est-ce que vous pensez que c'est ambition pour un président qui fait blanc, prendre une décision, ça, mettre non liste comme ça, et pour mettre on camper loin? On est politique. Il faut être politique. Et comme toute parti politique n'a pas de définition, ça veut dire. Parti politique, il est là, il est créé tête, il est organisé, puis il prend pouvoir. Mais puis il prend pouvoir, puis il met au service de la population, au service du plus grand nombre. Tant que tout est politique, il faut qu'il y ait une ambition. Ambition pas mal à un certain moment, c'est à l'école. Ambition pas moins à un certain moment, c'était venir gagner un diplôme. Ambition pas moins à un certain moment, c'est venir un acteur politique. Pour me venir député, pour me venir sénateur à deux reprises, pour me venir président Sénat à quatre reprises, pour me venir président Assemblée nationale, pour me venir CASEC, pour me venir AZEC et autres, etc. Pour me venir ministre conseiller et autres, etc. Écoutez, j'ai fait mon temps. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas capables pour prendre, comme tu as dit, ou salitio ça, pour mettre le sous d'eau dans un moment où nous pensons que institutionnellement, et que ce soit du point de vue de la constitutionnalité, du point de vue de institution ou même en tant que tel, que ce soit en termes de légitimité, à un certain moment de la durée, Joseph Lambert, avec la résolution du Sénat, eh bien, pourrait être accepté pour être président provisoire. Les États-Unis, très certainement, qui sait, le Canada aussi, pas de gain, sans doute, l'agenda politique par Haïti. J'ai préféré un autre schéma politique. Étant donné que, de nature, je suis un fighter, eh bien, je continue la bataille. On continue à faire de la bonne politique, de la politique propre, eh bien, moi, arrivé à la conclusion où moi, j'ai encore été sous scène et venu en bonne position pour que moi, participer dans une transition à cette phase de débat. Si les États-Unis, encore une fois, estiment que ma présence qui est capable de déranger parce que je n'ai pas la tête qu'il faut dans le moment ça, nous pas besoin d'une tête rebelle ou bien un monde qui a campé gado droite dans le jeu pour tout, exactement ça pour le dire. Eh bien, je estime que Joseph Lambert peut être dans la colonne vertébrale plus trop droite. Par conséquent, il faut se préférer de Lambert. Regardez bien pour elle, le timing. Le timing, monsieur, c'est à jour J. Moins quelques jours pour la signature d'un accord souhaité par l'international avant d'intervenir. Et dans l'intervention, j'avais précisé que je ne veux pas d'intervention militaire dans ce pays. Comme les autorables sénateurs, c'est Dildou qui est prôné en assistance technique, logistique, opérationnelle, armée, en appui à la police. Parce que moi, je crois que la police nationale, en mesure, pour faire travail là, j'en ai pas de service sans qu'elle n'ait pas besoin. Pour que c'est une occupation du territoire là, une humiliation peuple haïtien, hein, dans ce cas que nous passons des en bas même monde qui occupe nous, depuis combien de temps? 1915, retourner encore là avec plusieurs missions de paix, et puis pour nous t'avoir prendre là encore avec toute cette société là, avec Minusta qui était collé là pour avec 10 000 morts pour être nous. Alors sénateur Lambert,
Et par rapport avec intervention, non? Étant donné que il y a un pile monde qui t'est constaté, il y a de ministres dans le gouvernement ça qui là que États-Unis coupé visa yo parce que tu as des reproches que fait monde ça yo. Maintenant, il y a de monde qui t'est pensé c'est parce que c'est officiel qui fait que il y a des réactions que États-Unis pas de gagner contre yo. Ou même où c'est officiel et mais yo cité non exactement, yo fait tweet. Est-ce que vous pensez que problème n'est vraiment son problème politique et que vous, en fait vous deux, nous c'est deux monde qui livré et où t'as pensé qu'on forme de protection pour membres qui sont dans le gouvernement que t'as reproché de bagay drôle et au même coupé visa yo? Moi dis tout le monde, quand il y a la m'a dit beaucoup fait pilo. Beaucoup fait pilo, tout le monde comprend, tout le monde ouais et tout le monde saisit. Alors, je ne vous dis pas, le secrétaire d'État Blinken est bien capable de tweet pour lui faire allusion à deux personnalités uniquement, qui c'est Yuri La Tortue, qui c'est Joseph Lambert. Et en plus, depuis combien de temps l'a fréquenté Mounsayo? Tant qu'on t'a dit déjà une fois. Depuis combien de temps l'a fréquenté? Depuis l'homme dans la chambre des députés en 1990. Mounsayo, c'est des gens qui ont fréquenté 24 sur 24 dans le Parlement. Sénateur, nous fréquenté 24 sur 24. Sénateur, deux fois, 24 sur 24. Conseiller du président, 24 sur 24, je l'ai encore. Et juste au moment où m'a parlé là, mes amis, c'est pas récemment que nous t'ai ouais que nous fait photo avec ambassadeur Tomaret, la Kaira. Alors, monsieur, eh bien, j'étais dans la période ça, eh bien, m'a pas senti mauvais. Je ne me sens pas mauvais. Je ne pas connaître, comme je dis, depuis deux décennies, m'a fait drogue, etc. Mais écoutez, en 2008, il y a eu un accord signé entre l'État haïtien sur la présidence de Préval. J'étais encore président du Sénat et les États-Unis d'Amérique. Ni faire obligation à États-Unis, ni faire opportunité à États-Unis d'Amérique. Pour que depuis les gains poids suffisantes pour que on monte dans le trafic de stupéfiants, les gains doivent entrer, les arrêter sans problème. Entrer, arrêter sans problème. Alors, je vous dis, c'est dénoncé qu'il y a là, il a choisi pour dénoncer que notre trafic stupéfiant depuis 20 ans, pendant tout le temps ça, que a présenté, et depuis 2008, on doit voter. Et même les ministres que nous gagnons, soi-disant pour ça, pas même Kimbe, monsieur. Et puis c'est pour nous là seulement, et que par le simple fait que nous n'avons pas d'accord avec certains bagailles que nous avons fait, parce que nous croyons que nous sommes peuple souverain, il y a des bagailles que nous n'avons pas droit d'accepter, ni nous n'avons pas droit de tolérer, sous une forme ou bien sous l'autre, et que vous êtes déjà, nous sommes déjà des méchants loups. Et alors, j'ai vu des choses. Moi, songé à un certain moment de la durée, bon, on minute pour me dire ça seulement, pour me finir l'intervention. Moi, songé récemment, il y a de cela un an, avec l'affaire Maduro et puis l'autre, eh bien, les États-Unis étaient déclarés Maduro, persona non grata, et puis pigot trafiquant de drogue pour rien. Et qu'ils ont retiré le visa, ils ont interdit l'entrée aux États-Unis, patati patata, etc. Parce qu'il a soutenu le peuple. Et puis, moi, coup de guerre en Ukraine, et puis, moi, des envoyés spéciaux, américains, calés, pas rencontrer Maduro, moun ça, que je t'ai dit qu'ils sont mauvais, pour m'en dire qu'ils ont été ouverts par le plan là pour eux, pour être capables de résoudre le problème que vous avez, et la caillou par rapport à l'essence et la Russie. Mes amis, écoutez, c'est que plus gros outil pour bien la journée de diable, il n'y a pas d'autre bagaille que dire. C'est un pacte. Et c'est une bataille David contre Goliath, c'est une bataille que nous allons engager contre plus gros puissance qui gagne, que ce soit économique ou des militaires, qui gagne sous la terre. Moi, je connais que même pour honneur, on a gagné intérêt à faire bataille ça. Et même pour l'histoire, on a gagné intérêt à faire bataille ça. Certainement, même j'ai été fait pour Saddam Hussein, nous avons perdu la bataille. Nous avons victime. Nous avons monté n'importe qui bagaille pour dire n'importe qui bagaille sur nous. Nous avons fait n'importe qui montage pour dire que nous sommes trafiquants.
Même j'ai été fait tout montage pour qu'on ait, puis on dit Saddam Hussein a préparé bombe atomique ou bien a préparé ZAM pour être capable de coup, et c'est sous base ça que j'ai été envahi tout Moyen-Orient et qui déstabilisait à date tout Moyen-Orient. Je ne veux dire, nous avons un pays qui a besoin de la paix. Joseph Lambert a toujours dit, lui prend toute forme de violence et lui pas marcher collé, danser collé avec aucun bandit, aucun gang. Ça, tout le monde connaît. Deux, trois, Joseph Lambert a prêté une personnalité politique verticale. Quand il faut dire oui, je dirai oui. Quand il faut dire non, j'aurai le courage de dire non, comme j'ai l'habitude et j'ai l'habitude de dire non. Et comme récemment, j'ai eu l'opportunité et l'occasion de dire non à bien des amis de l'international. Président Lambert. Allô. Oui. Président Lambert. Président Lambert, sénateur Yuri Gomba, elle n'a pas ajouté. Moi aussi, je ne vais pas ajouter. Sous peut-être ce que je dis là. Moi, j'ai au moins 3 ou 4 ministres, justement, qui m'ont position ça. Premièrement, il y en a deux que la justice est accusée, qui n'a pas été arrêtée. Deuxièmement, il y a une accusée de kidnapping. Donc, moi, je crois que je dis là, si ce n'est pas une décision politique, ou t'as point que, justement, sénateur Lambert, c'est officiel, yo connaît ministre, yo a un jugement, yo a un question kidnapping, yo a un ou si ça, que c'est deux autres mouni accusés, hein, officiellement, alors que ministre, yo qui là, qui n'a drogue là réellement, qui a arrêté, le dossier a été fait suivi, qui n'a question kidnapping, yo pas cité non, yo, et que au niveau États-Unis, Canada, il a cité de l'autre monde. Mm-hmm. Donc, moi, je crois que je dis, la question est claire, que gagner en l'autre bagaille qui est derrière à notre part, et que je dis, courage-nous, justement, comme David, c'est poser question au niveau juridique, et faire peuple haïtien surtout comprendre la question. Parce que je dis, ça qu'il a, Jean-Sénateur Lambert a dit, c'est pas, justement, en question de réalité, d'un fait juridique, non. Sans question, d'un fait politique, d'ailleurs, nous avons fait plein de monde qui ont bloqué, qui n'ont pas dit rien. Des monde qui ont des dossiers déjà pour eux, qui n'ont pas dit rien. Et que justement, je dis, c'est nous deux que nous avons cité la question. Alors que, justement, par rapport à la question ça qui posait là, je dis, c'est des questions qui étaient réglées. Déjà, la question qui posait, je dis, c'est position nous par rapport justement à des positions prises par les pays SAO, et nous te disons que nous rencontrer à deux, que nous disons non, et que nous disons justement, si à lancer ça, nous-mêmes, nous ne pouvons pas protéger nous sur route, parce que mais sa pays a été passé, et mais sa pays ça a besoin, je veux dire. N'a pas retourné rapidement avec sénateur Lambert. Nous avons deux six questions éclairées. N'a pas demandé pour très bref pour nous avant de nous clôturer l'interview ça, sénateur Lambert. Et pour tout respect que nous gagnons pour vous, pour qui ça ou pas dit rien par rapport à ça que t'es passé madame récemment à l'aéroport Toussaint Louverture, ou même parler depuis tout le côté où t'es interdit au voyager. Et pourquoi pas même un tweet à la nation, sénateur Lambert? Écoutez, nous sommes hommes d'État, nous sommes citoyens haïtiens. On visa son courtoisie. Si qu'on y a pour une raison ou pour l'autre, je t'a suspend visa. Madame, moi, je ne vais pas me plaindre pour ça. Je ne vais pas me plaindre. Son courtoisie dit, ou bien l'envelé, ou prenne l'envelé. Ça, c'est un. Mais pour ce qui concerne ma femme, plus particulièrement, madame, moi, pas de guettant de chez Kélimé. Parce qu'il devait rentrer aux États-Unis pour aller rencontrer Brad, qui t'a mené, Bradley, mon fils, qui t'a mené à l'ouest docteur le lendemain. Et le lendemain, étant donné que Brad rentrait lui-même, joue 30 ans, alors que c'est lui-même qui généralement accompagnait maman pour l'aller, maman, purement et simplement, fait marche arrière, lui cancel le voyage et puis lui reporter pour l'autre date. Étant donné que bon vague, parole en pile qui fait autour de questions ça. Donc, deux bagailles fondamentales que nous disons.
j'ai dit à ma femme, il faudra qu'on vérifie d'abord avec l'ambassade américaine pour nous voir si y a un problème, peut-être que ça, généralement, par courtoisie et par élégance, eh bien, il y a toujours élé tout le monde que vous coupez visa ou bien suspendre visa. Eh bien, il y a toujours élé pour dire et que visa ou suspend. Madame, moi, tout comme moi-même, nous ne pouvons pas recevoir ni un appel dans son sort, nous ne pouvons pas recevoir ni un tweet dans son sort, et par contre, nous considérons que normalement, pas visa pas coupé. Et, mm-hmm. à ce carrefour, mon état pour nous dire que désormais, nous considérons que officiellement, je dis, visa nous coupé, parce que malgré tout, j'ai eu l'opportunité par élégance, ok, d'être signalé sur ces faits par l'ambassade du Canada ce matin. L'ambassade du Canada signalé que, effectivement, on tombé sous couscous au Canada. Les États-Unis, juste au moment où on m'a parlé ensemble avec vous, là, il faut que j'aimerais les Moudinaïs, il faut que j'aimerais les Madame Moudinaïs, parce qu'il y a un problème purement politique, les problèmes politiques là, tellement flétés, et bien, il y a purement même le secrétaire d'État Blinken, pour citer deux noms des politiques uniquement. Alors que les gens pile cadavre qui ont dans le gouvernement, non même. Et qui sait, on pile monde qui dans l'environnement gouvernement, non même. Alors que nous choisissons deux ça. Nous choisissons deux ça parce que nous sommes un, c'est dans la République, mon peine, et puis j'ouvre la torture, et même en client du peine. Ça veut dire que, bon plan. Et nous partons mon petit. Nous n'avons pas gagné pour nous plaindre de ça en pays tiers fait. Nous gagnons purement et simplement à créer les conditions pour que nous fassions valoir droit nous par devant les juridictions et compétentes dans le niveau justice de pays. Mais avant que nous allions, permettre que nous gagnions la gagne. De tout le temps, j'ai toujours dit que le Canada, toujours, c'est domestique américain que l'il est. J'ai toujours dit ça. Parce que ça, Américain, des Canadiens fait, c'est lui-même qui a fait. Très certainement, moi, je finis par comprendre que je vous dis, moi-même, sincèrement, malgré les bonnes dispositions de l'ambassadeur du Canada qui est en Haïti aujourd'hui, malgré intégration et sentiments, je dirais, positifs que nous avons pour Haïti, pour essayer que ça a résoudre, eh bien, permettre que je me dis, et que je suis très déçu. Est très déconcerté pour comportement gouvernement Trudeau, gouvernement canadien qui choisit d'unir samedi carrélé des domestiques américains qui orientent la gauche ou bien qui orientent à droite selon son pouvoir. Rien ne dit que le Canada n'a pas accepté tout, conduit en force d'intervention militaire en un pays. Mais tant bien que mal, lorsque nous avons eu l'occasion pour nous rencontrer il y a de cela une semaine, le sénateur Yuri et moi, nous leur avons dit très clairement, il faut un préalable, avoir un accord politique qui peut permettre que vous partiez vous mettre à la fois contre bandit et contre peuple. Et deux, à partir de cet accord politique, il faut cet accord politique dirait que nous avons besoin d'une assistance militaire et policière en appui à la force publique que nous avons là, pour que leur aller, je ne pas quitter nous dans le même train encore. Pour que au moins nous gagnions force, qui en bien entraîné, qui équipé et qui capable de parer à toute éventualité. Nous leur avons très clairement dit ça. Cela voudrait dire que nous, ça qui là, nous pas quoi que c'est des mouns qui nous-mêmes sont capables d'une dynamique pour essayer de déstabiliser le pays. Combien de fois autant de déstabiliser le pays? Combien de fois autant de que le connivence avec gang? Bon, ça pire là. Je dis financer gang. Alors que tout le monde connaît que il y a des gens qui ont porté valises comme 40 millions, 20 millions, 50 millions, récemment, ils ont dit combien de petits, faut que doubler et autres, etc. Où sont ces sanctions? Où sont passées les sanctions pour ces gens? Alors nous comprenons que dernière question. Cette même prise par les gouvernements américains et canadiens sont purement et simplement des mesures. Dernière question, et sénateur Lambert, bon, ou qu'à répondre ou qu'à pas répondre et tout, et est-ce que, selon vous-même, décision ça t'a lié avec l'affaire de Shelson, ça non?
Ouais, bon. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, dans le préambule de l'intervention. Moi, je dis tout le monde qui sont formés sur l'autre sale image depuis des années, des adversaires ou des concurrents politiques dans le sud-est, pour être capables de faire un pile vote. C'est qu'on a dit, Lambert dit les drogues, écrit sur tous les réseaux sociaux, Lambert dit les drogues. Des mondes plus jeunes aujourd'hui, qui étaient dans le même consensus ensemble avec eux, et puis qui continuent à parler dans les États-Unis, dans toute grande assise, et tout le monde qui a rencontré à droite, à gauche, et, aux États-Unis. Des mondes qui étaient en tout, qui ont été créatifs sur donc à faire, et que Chelson apprenne 9 ans et demi, et que c'est utilisé, et c'est utilisé pour faire ça, et que c'était publiquement pour dire, lui demander pour le monde sud-est, pour famille, moins famille Dosé, ni famille qui est encore, et Kaoli, et etc. Pardonnez. Effectivement, le Seychelles Sonsanoa, c'est Pierre Espérance qui te fait le faire. Mais si l'embête est propre, tout, ou t'as fait Pierre Espérance payer ça. et si n'a fait crime ça, ou t'as fait le payer ça. Si ou t'es propre, et parce que nous connaissons l'autre dossier, nous pas aller plus loin avec ça. Nous quitter ça passer. Mais effectivement, papa haïtien, situation, li grave, en pile l'autre information a tombé. Même toujours m'a nous pour nous rester connectés avec la plateforme YouTube InfoBetoa parce que nous avons pile détail pour. En tout temps, pendant que criminel qui touye M. Doval yo, dans prison, M. Doval pas cage en justice, mais c'est dans le moment il a libéré nèg qui est impliqué dans l'assassinat M. Doval, ou du moins si vous accusé comme nèg qui est impliqué dans l'assassinat M. Doval. Il a libéré yo. Donc c'est ça, nous avons tourné avec la 6 p.m. après-midi. Pour responsabilité, nous, vous avez nous bientôt. Plateforme attend de nous là, relez-nous info bientôt. Moi menon en pile, Kembela Balagué, rendez-vous cassé pour 6h PM après-midi. Kembela, moi menon en pile.